Donc je vais vous lire un chapitre d'un roman qu'à bas mots je déclare exceptionnel. Il y en a très peu des comme ça. Il y a le docteur Juvago de Pasternak, par exemple. Les romans de Stendhal. Voilà. Mais là, il s'agit donc de Aurélien, de Louis Aragon. Bon, je choisis presque par hasard un extrait parce que tout est excellent. Donc, c'est inutile d'essayer de se donner un critère pour choisir. Et si je voulais vraiment être équanime, je devrais lire presque 700 pages. Ça deviendrait une épreuve. Pour vous, pas pour moi. Qui n'a pas éprouvé ce sentiment étrange de se retrouver en face d'une inconnue, à un rendez-vous d'une femme passionnément aimée, dont on était tout entier occupé, mais qu'on connaissait encore à peine. Il avait suffi d'un changement léger de la coiffure, d'une robe différente, ou de l'atmosphère d'un lieu public, pour rendre méconnaissable celle qu'on croyait déjà à jamais fixée dans la mémoire. Qui n'a pas éprouvé ce désappointement ne sait rien du véritable amour. Aurélien l'éprouvait rien qu'à imaginer Bérénice sans avoir besoin de la voir. Mais comme il n'avait jamais aimé, il ne savait pas que cette irritation devant l'image évoquée, l'insatisfaction qu'elle lui apportait, c'était autre chose que l'effet d'une observation distraite. Il ne rêvait pas que ce pût être l'amour. Il se gourmandait d'être si mauvais, à rétablir une physionomie, n'importe quelle physionomie. C'était pour lui soudain un dogme établi qu'il avait ce défaut. C'est cela, pensait-il, je ne suis pas physionomiste. En réalité, il avait plusieurs instantanés de Bérénice, mais si divers qu'il n'arrivait pas à les concilier. Il ne lui semblait pas que ce fût la même femme. Ses lueurs qu'il avait d'elle étaient discordantes, comme ses traits, même au vrai. Mais c'était cela qu'il acceptait quand il la voyait. Parce que la vue ne se discute pas, et qu'il rejetait dans ses souvenirs, parce que la mémoire a la réputation d'être infidèle, et que tout le monde sait qu'elle embellit ou qu'elle est incapable de reproduire ce qui fait le charme d'un visage, ce rien fugitif. Alors, il se prenait à reconstituer par le détail ses traits, auxquels il prenait un si inexplicable intérêt. Il tenait le menton, les pommettes, le front, l'auréole des cheveux, la lèvre, le sourire, un geste. Il n'y manquait presque plus rien quand il retrouvait les yeux. Et les yeux venaient tout détruire. Il s'éveillait dans ce visage, il l'éclairait de leur clarté noire, plus grand que nature, comme des charbons polis, non plus brillants que cela. Cette lumière anéantissait le reste. Elle devenait l'essentiel. Elle faisait disparaître l'essence. Il se disait qu'il ne l'avait vraiment bien vue qu'à cette minute, en dansant, où elle avait les yeux clos. Les femmes, aux yeux ouverts, venaient à chaque instant s'interposer entre lui et la femme aux yeux fermés. Celle de qui l'image, pour quelque trouble raison, lui paraissait se prolonger dans son propre passé, dans des rêves, des fantaisies, de son cœur et de ses sens. Il cherchait à la localiser dans ce passé, il n'y parvenait pas.
À qui ressemblait-elle? De laquelle de ses amies se rapprochait-elle? À quels désirs anciens était-elle toute mêlée? De quel plaisir portait-elle le reflet ou la tache? Personne, pourtant, personne, aucune silhouette, aucune ombre, et le sentiment de quelque chose qui transparaît au fond du miroir, une buée. Quelqu'un de plus prévenu et de moins sûr de soi aurait sans doute chassé tout de suite cette obsession de peur d'y succomber, mais Aurélien n'y songeait même pas. Il ignorait qu'il pût y avoir un danger dans le mirage d'une femme. On le lui eût dit, qu'il se fût d'ailleurs entêté. Pour l'instant, ce n'était pas plus grave qu'un air qui vous poursuit, qu'on a essayé de chasser par toutes sortes de stratagèmes et qui s'est montré plus fort. Alors, comme ça ne servait de rien de s'enchanter un autre, il dégénérait. Ou de se raconter une histoire, elle tournait court. On s'est décidé une bonne fois à s'abandonner à cette scie, à la laisser vous couper la tête. Voilà qu'on ne l'en chasse plus, équipisé, qu'on n'en retrouve qu'une phrase et qu'on se met les méninges de l'envers, la répétant sans cesse pour retrouver comment ça continue. Il la rencontrerait dans la rue, il ne la reconnaîtrait pas. Cette idée assaille Aurélien, le déconcerte, l'inquiète, puis le rassure. Il en est à se rassurer, mais cela fait des heures qu'au milieu des gestes naturels, d'un jour vide comme tous les autres jours, il ne pense qu'à Bérénice. Il ne la reconnaîtrait pas. Est-ce bien certain? Est-ce possible? Il ne la reconnaîtrait pas. Est-ce que vraiment il ne la reconnaîtrait plus? S'il la rencontrait dans la rue, au fait, il ne l'a jamais vue dans la rue. Ou même en costume tailleur, dans la rue, est-ce qu'il ne la reconnaîtrait pas? Parce que dans la rue, en costume tailleur, il faut imaginer non plus seulement le visage, bouleversé par ses longs yeux obliques, noirs, bombés, mais aussi l'allure générale, c'est-à-dire le corps qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il en sait? Ce corps si léger de danseuse, sans poids, sans réalité, si différent quand il marche dans la rue certainement, et pas seulement le corps, mais le corps en mouvement, l'allure, cette chose impondérable, l'allure, dans la rue, en costume tailleur. Et de nouveau Aurélien revoit le visage. La lèvre inférieure qui a l'air de souffrir et de sourire, ce patinage de la lumière aux pommettes, les cheveux sur le front, les yeux fermés, mais les yeux s'ouvrent et tout se brouille. Dans la rue, il regarde les femmes, celles qui ont à peu près sa taille. Cela pourrait être celle-ci, celle-là, mais non. Ce n'est aucune, aucune ne chasse tout à fait son fantôme, même celles qui sont jolies. Peut-on dire de Bérénice qu'elle est jolie? Il l'avait trouvée laide, d'abord. Il l'avait mal regardée. La question n'est pas qu'elle soit jolie. Elle est mieux que jolie. Elle est autre chose. Elle a un charme. Voilà ce qu'il y a. Il retrouve bien les traits, mais pas le secret de leur charme. Comme un mot qui échappe. On sait comment il est fait, à peu près. Il y a des R dedans, combien de syllabes. On lui trouve ou des rimes ou des équivalents. Mais le vrai mot, le mot qui chante. Voilà ce qu'il y a. Il ne retrouve pas ce qui chante en elle.
Il est sûr pourtant qu'il y a quelque chose qui chante en elle. Quoi? Ah, dame, quelque chose qui chante comme son nom, Bérénice. Il se souvient d'avoir sur ce nom en toute innocence rêvé. Il l'avait mal vu alors. Il rêvait sur son nom sans vraiment penser à elle. Un nom qui fait rêver d'ailleurs, mais elle est au-delà de son nom. Son nom fait rêver à elle. Elle a effacé toutes les Bérénices possibles. Il n'y a plus qu'une Bérénice possible. Plus qu'une Bérénice, une seule Bérénice, elle. Il ne retrouve pas ce qui chante en elle, le cœur de son chant. Avec une inquiétude croissante, il cherche où le chant a son cœur. Il cherche à se souvenir. Que faut-il se souvenir d'elle, avant tout, surtout? Est-ce cette passante imaginaire, en costume tailleur? Ou plutôt cette danseuse qu'il a tenue dans ses bras, cette danseuse légère, et ses bras se souviennent et se désespèrent en même temps de ne pas se souvenir? Pour la première fois, il vient de sentir son absence. Il vient de sentir son absence dans ses bras. Mais est-ce bien là le chant de Bérénice? Faut-il pour l'éprouver la tenir dans ses bras, comme n'importe quelle femme, ou son charme n'est-il pas ailleurs, dans sa gaieté, dans son silence, dans ses yeux fermés, dans ses yeux ouverts? Tout à coup, Aurélien retrouve l'émotion de cette main dans sa main, de cette main prisonnière, comme un oiseau qui frémit. Et ce n'est pas l'oiseau qui est pris, c'est l'oiseleur. Il frotte la paume de sa main et s'étonne. Une brûlure, une présence, une absence, les deux à la fois, une chanson.